On n'était pas très loin des 100 années de combat et les Anglais occupaient de nouveau la moitié de la France. Lorsqu'un jour de l'an 1429, garde! Monseigneur? Appelle-moi la bergère. La genie? Bah ouais, il n'y en a qu'une. C'est vrai. Genie, viens de voir par là. Qu'est-ce que c'est? Oh, mais est-ce que l'on t'a appris à parler de cette façon? Ouais, et alors? Si je peux me permettre de donner mon avis, moi, monseigneur, avec elle, ça vaut pas la peine de discuter. Ça vaut pas la peine. Bon, ça va. Julie, viens là et écoute-moi attentivement. Cela va très mal pour les Français. J'ai beaucoup réfléchi et je pense qu'il est donc temps que tu fasses ce que les voix célestes avaient ordonné à ta mère et à ta grand-mère. Ah bon? Et qu'est-ce que c'est? Oh, elle n'est pas possible. Mais je vous avais prévenu, monseigneur. Ça, je l'avais prévenu. Oui, bon. Il faut qu'une jeune fille aille sauver le royaume de France. Va te préparer. Mais c'est un ordre. Oh bon? Allez. Ça t'est pas donné. C'est cousu, même. Presque ça. Attention là, monseigneur. Attention, monsieur. Vous prenez des mauvaises habitudes. Monseigneur. Ah, du Snobby Country. Vous nous avez reconnus. Vous ressemblez beaucoup tous les deux à vos pères et à vos grands-pères, que j'ai bien connus. Mais comment c'est encore vous? Je vous croyais mort. Votre père m'avait déjà posé cette question. Mais enfin, la guerre est commencée depuis 100 ans. Vos grands-pères avaient signé un contrat sans savoir que les Casimirus vivent plusieurs centaines d'années. C'est un scandale. Ah. Pour sûr. Hey, monseigneur! Monseigneur, c'est quoi? Trop tard. Qu'est-ce qui est trop tard? Eh ben, ce que vous m'avez demandé. Quoi, d'aller sauver le royaume de France? J'ai demandé à mes voix. Ouais. Eh ben, m'ont répondu qu'il y avait eu une certaine Jeanne d'Arc qu'avait battu les Anglais à Orléans. Oh, c'est épouvantable. Nous allons être jetés à la mer. Vous voulez que nous gardions Calais? Qu'allons-nous devenir? Oh, retourner en Angleterre. Oh, je n'aime pas le pudding. C'est notre gâteau traditionnel. C'est vrai. Et puis le climat est tellement humide. Bon, si vous voulez, vous pouvez rester avec nous sur cette île. Oh, c'est une excellente idée. Pour sûr. Bien. Mais pour plus de simplicité, vous, Sir of the Snob, vous vous appellerez Monsieur du Snob. Joli, très joli. Voilà. Et vous, Country, eh bien, vous vous appellerez Campagne. Voilà, tout simplement. Avec comme prénom... Émile Campagne, ça vous va? Émile Campagne. Oh, ok, ça me va très bien. Bon, écoutez, ne perdez pas de temps. Allez vite porter la nouvelle à vos navires de guerre pour qu'ils repartent sans vous. Oh, comme ça, c'est extraordinaire, ça. Il y a encore 2 minutes, j'étais officier et à présent, me voilà facteur. C'est la destinée, facteur. Pour sûr. Jeanne d'Arc fut brûlée à Rouen, mais Charles VII battit les Anglais, qui ne gardèrent quelques années plus tard que la ville de Calais. La guerre de 100 ans était enfin finie.